Lettre ouverte à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Éminence, lors de ma dernière sortie médiatique, je vous ai présenté toutes mes félicitations pour votre élévation à la dignité cardinaliste, qui fait de vous le conseiller du pape pour le monde et principalement pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je saisis par la présente opportunité l'occasion pour vous réitérer mes chaleureuses félicitations et mes souhaits de plein succès pour votre ministère pastoral. Éminence, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention vos différents messages adressés tantôt à notre peuple pour le soutenir et le guider en ce temps de crise et de misère, tantôt à notre classe politique pour l'exhorter à sortir de la médiocrité et de son manque de patriotisme avéré, afin qu'elle serve réellement les intérêts du peuple et de la nation congolaise. J'apprécie sincèrement votre sens élevé de patriotisme que démontre d'ailleurs votre élogieux parcours sacerdotal. Cependant, depuis un certain temps, vos dernières prises de position contrastent radicalement avec les nobles et justes convictions que vous défendiez il y a quelques semaines seulement et quelques mois. Ce brusque changement de discours et de vision de la crise congolaise me pousse à vous adresser aujourd'hui cette lettre ouverte, à la fois en tant que patriote congolais et responsable politique, et en tant que chrétien membre du corps de Christ. Mon souci est de relever certaines contradictions qui tranchent avec la défense de la vérité qui caractérise tous vos précédents messages. Lors de vos précédentes sorties dans les médias internationaux, avant votre élévation par le Vatican, vous aviez fustigé avec véhémence et courage la fraude électorale, la tricherie et le mensonge qui ont émaillé les élections de décembre 2018. Vous avez affirmé publiquement que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné les élections, mais bien Martin Fayoum. Vous avez invité la communauté internationale à rétablir la volonté souveraine du peuple congolais floué. Quelques mois après, vous êtes revenu à la charge à travers les mêmes médias internationaux pour fustiger la situation hybride et cocasse au sommet des institutions en République démocratique du Congo. À ce sujet, vous avez fortement dénoncé le fait que Félix Tshisekedi n'a pas assez de marge de manœuvre pour être véritablement président. Mais depuis votre voyage de 2 semaines aux États-Unis d'Amérique, où vous avez rencontré entre autres personnalités, Peter Pham, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs africains, et depuis surtout votre cérémonie d'élévation à la dignité cardinaliste au Vatican, votre vision et votre approche de la crise en République démocratique du Congo ont brusquement changé du tout au tout. En effet,
tout en reconnaissant que les souhaits du peuple avant et après les élections restent non résolus, vous affirmez en même temps que le président Tshisekedi donne des signes positifs et va vers la bonne direction, sans toutefois nous citer ces signes ni nous définir cette bonne direction. Alors qu'entre-temps, Félix Tshisekedi, qui avait solennellement promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, ne s'est pas gêné de déclarer à la presse internationale que cette pratique de la corruption, considérée ailleurs comme légale, illégale, était parfaitement légale en République démocratique du Congo et constituait plutôt un simple cop. Bien plus grave, Félix Tshisekedi, qui avait promis à Washington de déboulonner le système mafieux du régime Kabila, n'a pas eu froid aux yeux pour demander à l'Union européenne à Bruxelles la levée des sanctions contre les barons de ce même régime, frappés de sanctions pour le détournement des fonds publics. Dès lors, il y a lieu de se demander de quels signes positifs et de quelle bonne direction vous gratifiez Félix Tshisekedi. D'un côté, vous demandez à toute la classe politique de se réconcilier avec Kabila et Tshisekedi, malgré le déni des vérités à l'origine de son accession au pouvoir, selon vos propres propos, alors que de l'autre côté, vous ne cessez de faire aux Congolais une belle apologie des valeurs morales, tout en stigmatisant et en fustigeant les antivaleurs qui doivent être bannies de notre société. Vous demandez que la classe politique congolaise aide Félix à se débarrasser de la tutelle de Joseph Kabila pour assumer véritablement, afin de s'assumer véritablement comme président. Tandis que, de son côté, Félix Tshisekedi exalte plutôt les mérites de la tutelle de Joseph Kabila sur lui, tutelle qu'il a d'ailleurs publiquement félicité et remercié pour son encadrement lors de sa conférence de presse en Allemagne en compagnie de la chancelière Angela Merkel. Vous demandez à l'opposition politique congolaise en général et à Martin Fayulu en particulier d'abandonner le combat des urnes, ce n'est plus un secret pour personne, que le combat des urnes que vous avez lors de votre homélie de dimanche 17 novembre au Stade des Martyrs assimilé aux querelles autour des futilités. Vous leur conseillez d'abandonner ce combat pour se réconcilier avec Félix Tshisekedi autour de l'essentiel, dites-vous, sans toutefois nous en définir le contenu. D'aucuns se demandent en effet comment se fera cette unité que vous prônez alors que l'alliance des voleurs et des fraudeurs conclue dans le secret de la nuit entre Kabila et Tshisekedi présente déjà aujourd'hui des fissures qui laissent échapper la puanteur de leur sale machination. Et ce divorce entre le FCC et Cash, qui ne dit pas encore son nom, présage d'une implosion imminente qui risque de plonger bientôt notre pays dans une nouvelle spirale de violence et d'instabilité politique et sécuritaire. Éminence, la réconciliation que vous prônez entre
Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi est loin de porter une solution à la crise congolaise. Car s'il y a un homme qu'il vous faut interpeller d'urgence aujourd'hui, avant tous les responsables politiques de la République démocratique du Congo, c'est bien Félix Tshisekedi. Car c'est lui qui a stoppé l'élan de la grande majorité du peuple congolais qui voulait mettre fin au processus d'occupation et de pillage de la RDC. Je le dis, éminence, parce que Félix Tshisekedi donne jusqu'ici des signes qui s'est rangé volontairement du côté des forces extérieures qui ont envahi la République démocratique du Congo et qui continuent de la piller. Pour preuve, ce 9 novembre 2019, lors de son séjour à Kampala en route pour la France, ce fils du pays, Félix Tshisekedi, s'est encore illustré par un geste de félonie qui révolte aujourd'hui tous les Congolais. En effet, il vient de se soumettre au diktat du président Yoweri Museveni qui l'a pratiquement contraint à signer une lettre conjointe avec lui pour demander à la Cour internationale de justice de la Haye de reporter les audiences qui devaient condamner l'Ouganda à indemniser la République démocratique du Congo en guise de réparation des pillages menés par l'armée ougandaise lors de la Deuxième Guerre du Congo en 1998. Pour rappel, cette plainte contre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi avait été déposée en 1999 par le président Laurent Désiré Kabila qui exigeait à l'Ouganda de payer à la République démocratique du Congo plus de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Et je dois préciser ici que la plainte contre le Rwanda et le Burundi avait été retirée par l'imposteur Joseph Kabila dès que les forces qui avaient assassiné le président Laurent Désiré Kabila l'avaient imposé à la tête de notre pays en 2001. Éminence, lors du point de presse tenu ce dimanche 12 novembre 2019, vous avez livré aux chrétiens du monde et du Congo votre devise sacerdotale, Omnia Omnibus, tout à tous. Et vous avez explicité le sens de votre engagement et ce à quoi vous comptez consacrer votre ministère dans cette seule phrase. Je vous cite, « Je place mon cardinalat sous le signe de rassemblement et de réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de la République démocratique du Congo. » Éminence, rassemblez tous les fils et filles de notre pays qui ont choisi de servir notre peuple dans les différents domaines de la vie active est certes une noble et sublime mission que nous applaudissons des deux mains. Toutefois, votre appel au rassemblement et à la réconciliation de tous les Congolais est loin d'apporter la solution à la crise sécuritaire dont souffre notre pays aujourd'hui. Votre appel aurait eu tout son sens si l'origine principale de la crise que traverse le Congo était liée à l'état des relations conflictuelles entre les Congolais eux-mêmes. Malheureusement, tel n'est pas le cas, car vous le savez bien, les fraudes électorales des années 2006, 2011 et 2018, le pillage
systématique des ressources du sol et du sous-sol congolais, les détournements des deniers publics qui ont atteint un niveau épouvantable, les nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés à travers tout le territoire national, l'illégitimité de nos institutions politiques et judiciaires, tous ces maux dont souffre aujourd'hui notre peuple ne sont que les conséquences d'un seul fléau, éminence. Entendez l'occupation de notre pays par la coalition méphistophélique des forces politiques, financières et militaires étrangères. Coalition qui a agressé notre pays et qui l'occupe depuis 1996. Et devant ce drame, nous ne pouvons pas pratiquer la politique de l'autruche en essayant d'enfouir nos têtes dans le sable pour éviter de voir et d'affronter cette cruelle vérité en face, en nous convainquant faussement que le problème se trouve ailleurs, dans la réconciliation factice des Congolais entre eux. Durant 22 ans, plusieurs séances solennelles des prétendues réconciliations entre Congolais, organisées avec les fastes diplomatiques que l'on connaît, n'ont jamais apporté un début de paix ni de bonheur au peuple congolais. Nous pouvons citer à titre de rappel seulement des accords de paix de Lusaka 1, Lusaka 2, Addis Abeba, Gaborone, Pretoria, San City, Goma, Kinshasa, Nairobi et j'en passe. La seule réconciliation qui vaille en ce moment, éminence, est celle que nous devrons faire avec nos agresseurs et les bourreaux étrangers venus des différents horizons pour arracher ce que nous avons de plus précieux au monde, notre terre. Et à ce sujet, je vais peut-être vous surprendre. Nous sommes disposés, en tant que chrétiens et résistants, à nous réconcilier avec nos agresseurs étrangers, mais à une seule condition, qu'ils renoncent à leur projet et qu'ils acceptent de réparer les nombreux crimes commis sur notre peuple et sur notre pays. L'accepteront-ils? Car la parole de Dieu nous révèle et nous enseigne qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Elle nous révèle que la réconciliation n'est pas un concept abstrait, mais elle est un processus, car la réconciliation exige d'abord la repentance, autrement dit, le renoncement au mal, et le renoncement au mal conduit à la réparation du mal, et c'est la réparation du mal qui accomplit la justice de Dieu. Pour preuve, à travers l'Ancien Testament, le processus du pardon de péché ne parvenait pas à effacer le péché des hommes parce que leur sacrifice pour le pardon des péchés n'accédait pas l'étape fatidique de la réparation du mal, autrement dit, il n'accédait pas l'étape de la justice. Par conséquent, tous les sacrifices d'animaux offerts en guise de repentance par les hommes ne se limitait qu'à couvrir le péché, mais n'arrivait pas à l'effacer devant Dieu. Car pour qu'il y ait pardon et réconciliation, il avait fallu que l'homme réparât le mal qu'il avait fait à Dieu. Autrement dit, il avait fallu qu'il fût jugé et qu'il paya le prix de son péché. Et comme aucun homme
ne pouvait le faire ni pour lui-même ni pour les autres, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est fait homme à cette fin. Il a pris notre place avec nos péchés et il a été jugé, condamné et exécuté à notre place. Et à ce sujet, le prophète Ésaïe affirme, je le cite, « Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme à son tour dans le livre de Romains au chapitre 5, verset 10, je le cite, « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Si j'ai ouvert cette parenthèse biblique, éminence, c'est pour vous dire qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Car si tel était le cas, Dieu n'aurait pas eu besoin de sacrifier son unique Fils pour subir la colère de sa justice, afin qu'en lui, nous devenions nous-mêmes justice de Dieu et soyons enfin réconciliés avec lui. Vous ne pouvez pas donc demander aux Congolais chrétiens, éminence, de se réconcilier avec la fraude et le mensonge que l'Église catholique, par votre voix, a dénoncé publiquement. Et l'origine profonde de la crise congolaise ne justifie pas, comme nous venons de le montrer, l'urgence de réconcilier seulement les Congolais entre eux. Car le conflit actuel oppose plutôt les Congolais aux agresseurs étrangers qui sème la mort au Congo depuis 22 ans. Ces puissances extérieures instrumentalisent, il est vrai, quelques collabos congolais qui ont trahi leur peuple et leur pays parce qu'ils ont choisi librement de se mettre au service des ennemis du peuple pour leurs intérêts égoïstes. Et vous ne pouvez pas non plus demander aux Congolais, chrétiens ou non chrétiens, de se réconcilier avec leurs bourreaux tant que ces bourreaux restent déterminés à poursuivre leur projet de destruction du Congo et d'extermination de notre peuple. En cela, j'appuie totalement la déclaration de notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui a affirmé qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et moi j'ajoute qu'il n'y a pas de justice sans repentance, comme il n'y a pas de repentance sans réparation, car il ne s'agit pas ici d'une simple divergence d'opinion et d'idéologie entre hommes politiques, ni d'une simple compétition entre Congolais pour l'exercice du pouvoir. Loin s'en faut. Il s'agit ici, éminence, du droit de sol. Et ce droit de posséder le sol et de jouir de ses richesses pour lesquelles nous nous battons en République démocratique du Congo depuis 22 ans est non seulement un droit internationalement reconnu à tous les peuples du monde, mais il est aussi un droit divin. Pour nous chrétiens, en effet, il est le premier droit dont l'homme a bénéficié de la part du Dieu créateur qui a décrété dès la création de l'homme lorsqu'il lui a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. » Fin de citation. Et Abraham, notre père de la foi, nous a donné un bel exemple du respect du droit de sol lorsqu'il demanda aux habitants d'Hébron, aux fils de Heth, de lui vendre une portion de terre
pour y enterrer sa femme Sarah. Abraham s'est adressé à eux en ces termes, je le cite, « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort. » Fin de citation. Abraham n'a pas arraché la terre par la force, pourtant il avait une armée, ni par la ruse. Il a demandé l'autorisation d'achat au propriétaire. Mais les fils de Heth, propriétaires du sol, lui répondirent, je cite, « Tu es prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Cependant, malgré leur générosité et leur insistance pressante, Abraham refusa fermement de prendre gratuitement possession d'une terre qui ne lui appartenait pas, et il s'est imposé pour payer 400 sicles d'argent, prix que les fils de Heth ont été contraints de lui fixer. Le droit de sol est donc sans conteste, le droit divin pour lequel beaucoup de chrétiens congolais, évêques, prêtres et religieux ont sacrifié leur vie au Congo. Ces martyrs ont payé le prix le plus fort, celui de leur vie, parce qu'ils ont défendu courageusement ce droit souverain et divin qui est le droit de sol. Éminence, souvenez-vous de Monseigneur Christophe Muzihirwa, archevêque de Bukavu, sauvagement assassiné le 29 octobre 1996, dès le début de l'agression de la RDC par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. Ce prélat a été froidement assassiné à genoux, d'une balle à la tête, sur ordre venu de Kigali. Souvenez-vous, éminence, de la disparition des cinq religieuses de la congrégation de la Sainte Vierge de Saint-Vincent de Paul en 1986. En 1996, à la suite de l'assassinat de Monseigneur Muzihirwa, ces cinq religieuses n'ont jamais été retrouvées. Souvenez-vous de Monseigneur Emmanuel Kataliko, archevêque de Bukavu, en remplacement de Monseigneur Muzihirwa. Il a succombé le 4 octobre d'un infarctus suite aux tortures morales de ses bourreaux rwandais qu'il avait chassé de son diocèse le 12 février 2000. Souvenez-vous, éminence, de son message testament qu'il a laissé aux évêques du Congo avant de mourir. Il leur a dit, je le cite, pensez au peuple qui attend que les évêques parlent. Fin de citation. Point n'est besoin que je précise ici que Monseigneur Kataliko ne vous demandait pas de parler de l'absence ni de l'insuffisance de la démocratie ou de la bonne gouvernance au Congo, mais il vous demandait de dénoncer l'invasion barbare de la RDC par les envahisseurs rwandais. Souvenez-vous, révérend père, de révérend père Anselme, des révérends pères Anselme Wasunduki, Wasukundi, Edmond Kisungu et Jean-Pierre Ndoulani, de la congrégation Augustin de l'Annonciation dans le Nord Kivu. Ces trois abbés furent, ces trois prêtres furent enlevés par les troupes rwandaises en octobre 2012 et personne n'a plus jamais eu de leurs nouvelles jusqu'à ce jour. Souvenez-vous, éminence, du père Jean-Paul Kakule, assassiné le 25 février 2015 devant son église à Mweso, diocèse de Goma. Souvenez-vous de M. l'abbé Jean-Gaston Bouly,
de la paroisse de Nyakasa, diocèse de Mbunya. Souvenez-vous de M. l'abbé Daniel Chijimia, assassiné à Bukavu dans la nuit de 5 au 6 décembre 2009. Souvenez-vous du père Vincent Machose, assassiné dans la nuit du 20 mars 2016. Souvenez-vous de M. l'abbé Joseph Milimbinguli, assassiné dans la nuit du 24 octobre 2016 chez ses parents à Lubumbashi. Souvenez-vous de la sœur Clara Agano Kahambu, de la congrégation des sœurs franciscaines scolastiques, assassinée le 29 novembre 2016. Tous ces martyrs sont tombés parce qu'ils se sont dressés et ont dénoncé courageusement le vaste complot d'occupation et de prédation de notre pays par des coalitions de certains pays africains occidentaux, ainsi que par des puissants lobbies mafieux à travers le monde, qui sèment la mort et la désolation dans notre pays depuis 22 ans. Éminence, ce qui est urgent aujourd'hui, ce n'est pas seulement de réconcilier les Congolais entre eux. C'est pourquoi j'estime humblement que ce qui est urgent, c'est de délivrer la classe politique et l'élite congolaise du syndrome du larbin et de la mentalité d'esclaves dont elles sont prisonnières. Car ce sont là deux tares qui maintiennent la majorité de notre élite esclave des puissances et des intérêts étrangers qui asservissent notre peuple et pillent nos richesses. Et cette déliquescence de notre classe politique et de notre élite en général prive cruellement notre peuple de toute défense et de toute direction éclairée. La classe politique comprador du Congo est devenue ainsi l'alliée principale des ennemis du peuple congolais. C'est donc elle qui a réduit ce peuple à l'impuissance et à la résignation. Le scénariste français Souleymane Boel a raison de stigmatiser ce genre d'élite en ces termes. Je le cite, « Les élites affligeantes prospèrent sur l'apathie des peuples à tolérer l'inacceptable. » Fin de citation. Oui, éminence, c'est là le vrai danger qui menace gravement l'existence de la nation congolaise aujourd'hui. L'élite congolaise a vendu son âme aux puissances étrangères et a livré son peuple aux mains des prédateurs de tous les horizons du monde. Ce faisant, cette élite leur a ouvert la voie pour piller la République démocratique du Congo au niveau qu'on ne pourrait trouver nulle part ailleurs dans le monde d'aujourd'hui. L'appel dont le peuple congolais a besoin aujourd'hui, c'est celui de son unité, de son amour, de sa conscience patriotique et de sa mobilisation générale dans l'unique but de stopper ce processus très avancé d'occupation, de prédation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, notre pays. Éminence, pour réconcilier et faire la paix, il faut au moins être à deux. Or, même si le peuple congolais voulait faire la paix avec ses agresseurs, il ne le pourrait pas. Parce qu'au moment où nous chantons la réconciliation, nos agresseurs, eux, redoublent plutôt d'ardeur et de stratagèmes pour accélérer l'occupation de nos terres, le pillage de nos immenses richesses et la mise à mort de l'État congolais. C'est la situation que nous connaissons aujourd'hui
à l'est du pays, à Minembwe. Et devant cette menace qui pèse sur nos têtes, c'est plutôt ceux de nos frères congolais qui ont rejoint le camp des bourreaux du peuple pour satisfaire seulement leurs appétits égoïstes qui doivent être interpellés en premier lieu par l'Église catholique pour rejoindre le camp de la patrie et du peuple congolais. Car, éminence, si l'Église de Dieu et le peuple congolais ne se dressent pas aujourd'hui comme un rempart pour barrer la route aux envahisseurs du Congo, notre génération sera sévèrement jugée devant Dieu et devant les ancêtres, ainsi que devant les générations futures, pour répondre à cette terrible question: qu'avez-vous fait de la terre et des immenses richesses que vous aviez reçues de Dieu et de vos ancêtres? Je vous remercie.